Épaule relâchée et tête haute. C'est quoi ce truc-là? C'est un mouflon. Il a aucune raison d'être dans le coin, a priori. Il a dû s'écarter du reste du troupeau. Encore cinq. Il a la trouille. Ouais. Il s'est sûrement retrouvé là à cause des orages. Je vois pas d'autre explication. Je peux tirer maintenant? T'es sûr? Dans ce genre de situation, tu dois faire bien attention à tout ce qui t'entoure. Cette lunette, ton esprit se glisse dedans. Tu es focalisé sur une tête d'épingle. Mais tout en étant concentré sur ce mouflon, tu dois garder en tête que toi-même, tu es une proie. Très bien. T'as tout compris. Qu'est-ce que tu sens au plus profond? Il va pleuvoir d'ici peu. D'accord. Quoi d'autre? Je sais pas, attends. Il y a une meute de coyotes à environ 60 mètres au nord-est d'ici. Coup de pied, Zofia, 5. Allez! On recommence. Garde haute. Non, j'en peux plus, maman. Et c'est là que tu meurs. C'est à ce moment-là qu'il t'attrape. Quand on meurt, c'est qu'on a laissé l'ennemi nous tuer. Un jour, tu affronteras un grand Arien plein d'assurance qui pourra supporter la douleur une seconde de plus que toi. Eh bien, il ne lui en faudra pas plus. Quand est-ce que ça s'arrête, maman? Écoute, ma chérie. Pour survivre, tu dois embrasser la souffrance, te relever et la supporter. D'accord? Allez, on s'y remet. 5 de plus. Fais chier. Hé hey, reste polie, Zofia. Papa? Ouais. Quoi d'autre? Papa? Est-ce que tu t'en vas? Bordel de merde! Bordel de merde! Garde un œil sur ce qui t'entoure. C'est ce qui te sauvera la vie. Tu peux y aller. C'est le moment de tirer. Avant la trompe d'eau. Vous avez faim? Regardez-moi ça. Joli butin. Tout va bien ici? Waouh, impressionnant, Kenneth. Je commençais à croire qu'il te manquait cet instinct de tueur. T'es vraiment un gros con, Arthur. Oh là, on se calme, les filles. Soyez sympas l'une avec l'autre. Oh, ça va, c'est un compliment. Oh, la ferme. Je crois que nos bébés sont devenus des jeunes femmes. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Une autre tempête s'annonce. Scalpel. Donc, vous êtes sœurs, c'est bien ça? Sœurs jumelles. Et vous êtes les filles de l'emblématique capitaine Blaskowitz. Sauf Abby, c'est une amie de la famille. On sait qu'il est passé par ici, madame. Il était à la recherche de quelque chose. Il nous a aidés à combattre les nazis et d'un coup, il a disparu. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques. Vous avez des antibiotiques? Oh, le pauvre Jacques, il est muet. Pourquoi tu as besoin d'antibiotiques? Ce type a une péritonite. Et comment est-ce que tu sais ça? Abdomen gonflé, respiration courte, son péritoine est enflammé. Il va mourir si vous lui donnez pas tout de suite des antibiotiques. Tu veux peut-être t'en occuper toi-même? Non, merci. Madame, s'il vous plaît. Jeune fille, ici, tout le monde m'appelle Juju. Est-ce que vous allez nous aider, Juju?
Ce sont des exosquelettes? C'est ça. On n'a pas ce genre de matériel par ici. Vous savez tirer? Plutôt bien, ouais. Est-ce qu'au moins vous avez déjà tué des nazis? Écoutez, madame, on est né pour tuer des nazis. T'entends ça, Jacques? Né pour tuer des nazis. On n'a jamais tué de nazis. Je sais bien, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Puisque c'est comme ça, j'ai une mission à vous proposer. Une mission parfaite pour deux tueuses de nazis telles que vous. Après que l'ex-général Lothar Brandt a été déchu du pouvoir par Berlin, un nouveau général a été envoyé pour réprimer la révolte qui faisait rage à Paris. Ce général se trouve dans un zeppelin appelé le Nachtfalter. Tuez-le d'abord, et ensuite, on pourra se mettre à la recherche de votre père. Moi, je me faufile sur la gauche et toi, tu te faufiles sur la droite. On le coince et on le bute. Mais pourquoi tu chiales, là? Je chiale pas, putain, j'ai juste un peu la nausée, c'est tout. Tu vas pas me laisser tomber? Pas moyen. Alors, on y va, mademoiselle Blazkowicz. Allons faire ce que papa et maman feraient. S'il était blessé, en train de se vider de son sang. On peut le faire. On va le retrouver. Tu te fous de moi? On est faites pour ça, Frangine. Tu l'as dit, ma vieille.